Salam alaikum la Houma des Griffes d'Aïdara. Salam alaikum les abonnés des Griffes d'Aïdara. Bienvenue sur votre chaîne préférée qui vous propose les meilleurs faïdas du Cheikh Mahamadou Konaté. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous invitons, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, car chaque jour nous proposons sur cette chaîne les meilleurs parmi les faïdas proposés par le Cheikh Mahamadou Konaté. Nous essayons de vous les traduire en français pour que nous puissions tous en bénéficier. Donc nous vous invitons à faire de même. Abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum, car même pas vous, ça peut aider quelqu'un qui est dans les besoins. Juste en partageant la vidéo, ce Dieu connaît, ce Dieu sait la récompense que vous pouvez avoir juste en partageant la vidéo. Nous voici encore aujourd'hui avec un nouveau faïda, c'est toujours la troisième partie des bienfaits du miel dans notre société, le rôle que le miel joue au quotidien dans notre société et sur notre corps. Aujourd'hui, nous vous proposons un faïda très puissant sur le miel du Cheikh Mahamadou Konaté pour avoir le succès, pour être aimé ou pour ceux qui cherchent le mariage et n'en trouvent point. Écoute bien cette vidéo, suis-la attentivement jusqu'à la fin et tu auras la solution pour avoir ton mariage, pour avoir le succès, pour être aimé comme tu le désires tant, aimer, être aimé par tout le monde, grand comme enfant, femme comme garçon. Suis cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Pour ceux qui cherchent le mariage ou le succès ou l'admiration, tu vas écrire la sourate Yusuf. La sourate Yusuf. Si tu ne sais pas l'écrire, comme je vous dis toujours, vous allez approcher un maître coranique qui va vous écrire la sourate Yusuf. Tu écris la sourate Yusuf entière. Dans la sourate, partout où c'est mentionné Yusuf, vous écrivez cette partie, le nom Yusuf avec le miel, accompagné de votre nom. Si vous vous appelez Adama, après avoir écrit le nom Yusuf en miel, avec le miel, puis écrit à côté Adama. Voilà un exemple. Dans chaque partie de la sourate où c'est mentionné Yusuf, vous demandez d'écrire cette partie-là avec le miel accompagné de votre nom. Si c'est pour chercher le mariage, après avoir écrit ça, tu cherches le henné, dit Djabi. Voilà, mélange avec le Djabi et applique ça sur ton pied ou tes mains. Inch'Allah, tu auras ce mariage. Ou pour le, si c'est pour le succès, après avoir récolté ce nasi-là, lave-toi avec. Inch'Allah, à chaque fois que tu vas sortir, tu seras aimé. Inch'Allah. La sourate Yusuf écrit, mais partout où c'est mentionné Yusuf, la partie doit être écrite avec le miel accompagné de ton nom. Voilà, c'est nasi que tu vas recueillir. Si c'est le mariage que tu cherches, tu vas mélanger le nasi là avec le henné, dit Djabi, pour appliquer sur tes mains ou ton pied. Mais si c'est le succès, tu mélanges ça, tu vas te laver avec. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est toujours votre serviteur Salman. Je vous dis salam alaikum et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalam.